Start digging. By the way, I forgot to warn you, this song usually scares the living crap out of people. She likes it running hot. She likes living on top. With a price, a smile, and legs of a mile. She's the best I ever. Comment ça a commencé? J'ai grandi dans une famille relativement musicale, mon père jouait, et de fil en aiguille, bon moi, quand j'avais 2-3 ans, je marchais à peine, mais je regardais déjà mon père jouer de la guitare, jouer du piano et chanter, et c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire, donc bon, moi j'ai véritablement pris la guitare pour jouer à partir de l'âge de, je sais pas, 8 9, 10 ans et j'ai écrit mes premiers morceaux à ce moment-là tout simplement parce que j'étais un petit peu en carence de mode d'expression et surtout à travers mon adolescence, je me suis servi de ça pour m'exprimer, quoi. Moi, je suis né en France et à un très 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 jeune âge, j'ai déménagé. Donc, l'album aujourd'hui parle beaucoup de cet état d'être un poisson hors de l'eau, de ne pas vraiment avoir de racines. Le déracinement est un thème récurrent de l'album. D'ailleurs, l'album s'appelle Any Place But Home, c'est pas pour rien. C'est un petit peu le thème de ma vie. Alors, l'album est tantôt prend ça de manière tantôt humoristique et parfois on part plutôt dans quelque chose de beaucoup plus sérieux parce que le déracinement est à la fois humoristique et dramatique quelque part. On parle de roots. Effectivement, il y a des éléments de roots dans l'album. Il y a quelques éléments de pop, il y a des éléments de rock, des éléments de flamenco. Pas mal d'éléments traditionnels qui croisent aussi des thèmes qui sont tout à fait d'actualité. Moi, je parle de The House of the Rising Sun. Donc, il y a deux reprises sur l'album. Il y a The House of the Rising Sun et St. James Infirmary. C'est des chansons qui ont été écrites il y a plus de 200 ans l'une comme l'autre. Ce qui est absolument magnifique, c'est que les thèmes sont tout à fait d'actualité. L'un des morceaux parle de prostitution et l'autre parle de la mort. C'est des thèmes qui touchent encore les gens aujourd'hui, qui font partie un petit peu de cette démarche intellectuelle que j'ai eue. Même si je ne joue pas de la musique intellectuelle, pour moi, le concept a été élaboré sur une démarche quasi philosophique qui parfois, moi je trouve personnellement, manque un petit peu à la musique. La musique est souvent, les grands intellectuels de la musique sont des intellectuels au niveau de la mise en place, de la structure, de l'harmonie. C'est pas du tout mon cas. D'ailleurs, j'ai pas cette prétention-là. On commence avec une vision qui est relativement, on fait ce qu'on aime, et par la suite on fait ce qu'on est. Là j'en suis arrivé à un point dans ma vie artistique que j'ai plus tellement envie de faire ce qui intellectuellement me plaît, plutôt j'ai envie de crier, voilà ce que je suis. And it's been the ruin.
I'm many a poor boy. Me. Oh God, I'm one.